franchement, elles ont un charme. Wow. C'est, franchement, je suis fier. Belles, ah ouais, elles sont trop belles. Franchement. Même les métisses, j'aime bien les métisses. Non, moi je préfère, frère, moi je préfère les maghrébines. Il n'y a pas de métisses qui tiennent ou métisses, pas métisses. Plus avec une maghrébine, moi, les maghrébines, je vous dis, elles ont un charme inexplicable. Tu lui dis d'où tu viens? Une attirance inexplicable. Moi, j'aimerais faire ma vie avec une maghrébine. J'espère qu'elle sera vierge, mais je peux tomber amoureux d'elle qu'elle elle aurait pu faire une erreur dans sa vie. Et non, mais même c'est si vrai. Elle n'est pas vierge. Mais c'est vrai que j'aimerais bien qu'elle soit. Qu'elle a aimé, qu'elle reste longtemps avec elle, ça, c'est pas grave ça. C'est pas qu'une fille, elle va les samedis soirs en boîte, après elle se retrouve à l'hôtel et tout. Mais c'est vrai, j'aimerais bien qu'elle soit vierge. Moi, j'aimerais bien qu'elle soit vierge. Il n'y a pas très longtemps, j'ai dragué une fille et. Quand j'étais avec une fille algérienne et ben, son petit frère il est venu. Malgré que c'est son petit frère, hein, moi, comme je suis un Algérien, je sais le respect. Et c'est pour ça qu'il est venu, il est venu me voir. Il savait même pas que je sortais avec sa sœur, mais j'avais sa casquette à sa sœur. Et il est venu, il m'a fait ça, c'est la casquette à ma sœur. Et j'ai fait, non, tu dois te tromper, mais dans ma tête, je savais que c'était la sienne. Et j'ai fait, vaut mieux qu'on en arrête là, parce qu'après ça va faire un bruit familial pour rien. Quoi, pas pour rien, mais lui il va croire que je joue avec sa sœur, mais moi je jouais pas avec sa sœur, c'était sérieux avec sa sœur, je jouais pas du tout. Mais je veux dire, il est là le respect, elle est là la différence entre les Français, les Algériens et les Maghrébins, quoi. Tandis que avec le Maghrébin, tu as toute la famille derrière après. Ouais. Moi, si je sors avec une Française, j'ai pas peur de ses frères et tout, mais par exemple, si je sors avec une Maghrébine et tout, j'ai peur de ses frères et tout. Quoi? Il y en a, je le connais moi. Franchement, c'est. La plupart, c'est chez les Maghrébins qu'il y a les frères et tout derrière. Chez les Français, il n'y a pas. Dès que je sortais avec une Française, il n'y avait pas ses frères au derrière. Au contraire, même des fois, les filles, ils t'invitent à la maison et tout. Ouais, tu prends le café avec la maman. Et une fois, ma petite sœur, elle était revenue en voiture chez moi, elle a 15 ans, et avec un copain à moi. Il l'avait trouvé dans une boîte, il me l'a ramené. Parce qu'il savait que c'était ma sœur. Et là, elle s'est pris des coups par moi et mon père. Ouais. Ah ouais, je vois pas ma petite soeur aller danser comme ça dans les boîtes d'après-midi. Moi, je voudrais dire que les parents, ils sont pas là pour leur éducation de leur enfant. Franchement, c'est vraiment grave parce quand que... Quand tu dis ils sont pas là. Non, dès que je dis ils sont pas là, c'est que moi, pour moi, ils ont pas été là, les miens. Et moi, je dis que dès qu'il n'y a pas les parents, les enfants, ils sont livrés à eux-mêmes et après, ils partent en live. C'est pour ça que moi, dès que j'ai connu mon premier amour, je me suis accroché à elle. Comme une bouée de sauvetage, et dès que j'étais plus avec elle, ben j'étais seul, livré à moi-même, quoi. Je voudrais bien que ma soeur elle se marie avec une Saras. Un musulman, voilà. Dans notre famille, il n'y en a rien qu'un qui est marié avec une Française. Dès que j'étais petit, j'avais 15-16 ans, je sortais avec une fille. C'était... Je me rappelle, je venais de l'embrasser et tout, elle s'appelait Julie. Eh ben, après, je la raccompagne jusqu'à chez elle et tout. Je la raccompagne et tout. Après, je l'embrasse et tout. Son père, il sort. Il me fait, qu'est-ce que tu fais? Tu sors pas avec les Arabes devant moi et tout. Tu sors pas avec les Arabes et tout. Je t'ai dit quoi, les Arabes, tu sors pas et tout avec eux. C'est des voyous et tout, c'est des salaras et tout. Et comme elle a fait ça, comme dès qu'il a fait ça, j'ai fait ça. Je me suis retourné et j'ai marché tout droit. Et là, j'ai gardé ma fierté. Parce que après, voilà. Le lendemain, je l'ai revu. J'ai fait, ouais. Elle m'a fait, ouais, mon père, c'est un raciste et tout. Et après, elle a fait, voilà, on peut pas continuer ensemble et tout. Je fais, toi aussi, tu es comme ton père, tu es raciste. Elle me fait, ouais, je fais, ben, au revoir.